Bonjour, président Marseille. Oui, bonjour, mon Amboka, journaliste. Bonjour, on a bandé comme surtout à Congo Live Télévision. Bonjour, on a fidèle internet, bien surtout. On va mettre ça en colonne de mission dans la Congo Live Télévision. Merci beaucoup, président Marseille. Vous avez dit que vous avez politique et république du Congo. Tout ça, analyse, consommation, actualité, ce qui s'est passé dans la République démocratique du Congo. Premièrement, on va dessus sur côté à nous prochainement il y a M23 vis-à-vis il y a M23 en cas de est de République du Congo, comment ils ont se déroulé mon amour tout aussi au cas déjà par M23 donc pour ça c'est que pour ça on a confusion totale dans cas il y a pas effaré ça parce que réellement c'est que bah M23 basadi qu'on s'est siégé. Puis deuxièmement, on va dessus aussi côté la sortie médiatique il y a mon amour Martin Fayulu ou Azali présent et c'est dit assez que le bazali prête il y a beaucoup de temps là mon amour a fait ce qu'il dit pour la carte il y a kubongisa makamu mboka kota mon anengi et singili sur plan station est la République démocratique du Congo. Peut-être que la sortie du côté la sortie médiatique il y a mon amour les sangs bon oh si que pesa ba imboka sous passe dans mon thème manto et c'est on a habité que le imboka que Kabila zali sous n'a pas habité à quoi pour poster en 2023 tant que tout que Kabila zali c'est en à vie pour poster des sous thème il y a petit son dit que Kabila zali n'a pas habité pour poster en 2023 ça m'a été reçu mon colo et en amboka président Marseille encore bonjour. En tout cas bonjour et bonjour mon frère. Merci beaucoup mon amboka, bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu, très bien. Mon amboka, par la grâce de Dieu, très bien. Il y a un peu de temps du Congo. Mon amboka, quand on continue toujours dans le M23, mon amboka. Tout ce qui est mon amboka, il y a un M23, il y a une résistance dans le Bango, il y a une thérapie. Malgré tout, il y a un FARDC, il y a un hélicoptère. Mais en vrai, il y a un M23, il y a une résistance toujours dans la partie de la République du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, M23. Il faut que M23 progresse. C'est pour cela aussi que nous profitons pour nous dénoncer RFI. Parce que fausse information, c'était le RFI de Moutouba, Pajaki Ango. Sur le terrain, la force armée de Moutouba se comportait très bien. Très vraiment bien. M23, nous avons non. Journée à lobby, journée à l'élo, FRDC a frappé le sous très fort. En tout cas, FRDC, dans le niveau M23, en tout cas, une lourde défaite. Parce que va perdre ma élément ébélé. En tout cas, guerre au Est, ils ont volé ébélé. Sur le plan militaire, sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Aussi, c'est le plan économique. Donc, il y a une guerre wana pour que, et si là, définitivement, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a d'ici fin de l'année, il y a vraiment un résultat bien concernant le tournoi M23. Mais on a dit que sur les médias internationaux RFI, à ce que vous avez vis-à-vis de la République, parce que la chaîne internationale a aussi des informations à la houpe, donc il y a une plutôt. Donc, comment vous faites-vous pour avoir des informations sur le M23 aussi vous avancé vers Goma? Mais c'est faux, parce que le service, il y a l'armée nationale, il y a le FARDC, le général Chico. Avec Naba communicateur, nous surtout au bazar ou tout autour de dénoncer en haut. Donc, c'était fausse information. Au RFI, à PC, qui non, M23 va récupérer Kibunda. Donc, Banda qui est FRDC, a regardé toujours ma position dans Katia Kibunda. Et M23, bazar qui frappé. Ma linga qui. Ba kota na Kibunda à travers ma colline. Et l'avion aux autres loba qui non malgré ma matos ou un avion on a la charge de commande des ça qui hélicoptère des ça qui moussala ou et celle que non et repoussé bah je vous dis que non dans gambo M23 en tout cas suis défaite moi ma classe parce que perdre élément ébélé M23 la mise à débandade perdre élément ébélé
Ce qui est le lobby, c'est la guerre aux alliés politiques et économiques, parce que ce sont des multinationales à chaque fois qu'on insistera. Ah, la guerre, nous sommes sous complot. RFI, wana, les chaînes français, nous connaissons la véritable face de la France vis-à-vis de Bitouma. Oh, tu as une véritable face face à France. Et tu as une RFI, les alliés, RFI, accompagné car, mais étant en haut, mboka na en haut, et accompagné en haut. Et c'est une chaîne française, oh, accompagné car toujours politique à France. Donc, Bazali, on a pour propager information pour déstabiliser Imboka, pour déstabiliser Imboka, pour déstabiliser la morale de la force armée. C'est pour cela que nous avons un peu de pratique. Le combat est une guerre médiatique. Ça demande beaucoup de stratégies médiatiques. C'est bien de pratiquer la communication. Il y a une communication institutionnelle. Donc, il donne une position, il y a Imboka. Mais stratégie communicationnelle des agosang à la niveau ya la niveau ya beaucoup de biso, ça demande beaucoup de stratégie parce que bah ennemi bah ça stratégie parce que bah ennemi bah ça qu'on travaille avec l'Occident et l'Occident tu as une force médiatique na bango, donc ça demande des stratégies. Il y a des stratégies autour au pays sont parce que aux médias mais tout ça aussi en Patrick Mouya ya Aya Mbappé va communicateur, Aya Mbappé va différentes structures Oyo ils ont accompagné beaucoup au niveau communication. Pour tout peu c'est une stratégie importante. Il y a des stratégies Oyo et Sengeli va mettre en mise en œuvre parce que ma fausse information on a je vous dis que nous il y a trois jours passés au niveau à Goma des bandes des équipes makasi population. Et ça, population, bah, côté qui, des autres côté qui, parce que population a yokaki, dans les médias étrangers, qui est M23, bah, comme il a entré à Goma. Les 20 km. Oui, okay, c'était faux. Bah, les armées congolaises frappent M23 et repoussent bon, à 50 km. Il y a ma position au M23, c'est qui n'a pas. Mais fausse information, et ce qui est dans la ville, qui M23 va bah, comme à 20 km. Alors, ça demande des stratégies communicationnelles. Oh, ils ont aussi un assiette pour la communication. Ça demande des stratégies. Le président Marseille, quels sont les intérêts aux occidentaux vis-à-vis de M23, le président Marseille? Mais, ils ont dit économique. Est-ce que la République, ils ont dit qu'ils allaient bourrer en richesse? Et, bah, grande puissance, voilà, l'Occident. Mais, bango, bah, vivre à l'année. Ce sont des minéraux à la République de Congo, ils ont toujours une grande puissance. Alors, Félix Antoine Tshisekedi, tu es le chef de l'État, à Kenya qui a expliqué Bango, à salé plusieurs voyages pour Nakoyemisa Bango. Il est grand temps, tout ça, le partenariat gagnant-gagnant. Il a expliqué ça même la dernière sortie médiatique. Mais comme ces gens-là, occidentaux, on a. Plus na koboma ba congolais na mafia voilà ba zongi surtout na logique na bango wana ba armée M23 mais la ba armée M23 ah tout c'est comment ba vidéo qui circule M23 sur quoi toi ma tosi asika ba c'est ko publier yango mais ezali rebelle ango recevoir ma tosi tout ça M23 ezali groupe terroriste Oh, ils allaient soutenir par l'Occident. Occident ne va pas soutenir Yango. Ils allaient sur le bon matin de Konangaï. Il s'agit de notre pays, il fallait tout l'obéir à la vérité. Ce que mon le lot, même armé. Oh, République démocratique, quand on s'en bat au niveau de la Turquie, ils ont bloqué, c'est toujours l'Occident. Pourquoi va bloquer Yango? Bandake. Tout le monde qui est envoyé à Nations Unies, à Yaki A, comme on a le président des chambres, le Sénat, le Parlement, un certain Gabonais, a eu un lobby clairement que non, RDC Bazali sous embargo, RDC Bazali libre, il y a un Minduki, n'est pas libre. Mais en notifiant. Mais en notifiant, en notifiant, pourquoi en notifiant? Pour la Nité Rwanda, à ce Minduki, il notifié, on va certifier à vous. RDC Assoma, Minou qui va notifier, va certifier. Cela veut dire quoi? C'est une autre façon de bloquer Bissot. Et d'ailleurs, le lien est bloqué Bissot.
C'est un embargo qui ne dit pas son nom. Alors, communauté internationale, basa sincère vis-à-vis de la République de la Constitution du Congo. Basa sincère, t'es. Mais de ce que je sais pas, toujours. Emmanuel Macron, président, il y a France, est-ce que vous pouvez soutenir la force la République de la pour sécuriser et partir est à mon emploi. Comment tu veux dire que tu es sincère vis-à-vis de la République? Mais où est-ce que tu es mascara? Mascara. N'ayez-vous ici, France, à Tikala, Kozala, jamais sincère vis-à-vis de la République du Congo concernant la guerre à l'Est. Ce qui est la guerre à l'Est, et ce qui est la guerre, c'est Emmanuel Macron. Pardon? Ce qui est la guerre à l'Est, et ce qui est la guerre à l'Est, Macron. C'est bonhomme de Paul Kagame. Avant à reprendre l'attaque contre Mboka na biso à travers le groupe terroriste M23, à quel n'est-ce qu'on a à deux reprises Emmanuel Macron au niveau de France. À mon avis, Emmanuel Macron, boye bip, tant que Macron est na Kigali, à propos Macron, tu es naki. Emmanuel Macron est allé à la base. Yende est allé à la base. La France, c'est ce qui est tombé dans la faillite. Et France a besoin de beaucoup de milliards de dollars. Et bien, milliards de dollars, c'est derrière les dollars congolais. Il ne faut pas bomber les Congolais. Il ne faut pas paralyser. Est la République démocratique du Congo pour France à se retrouver. Pour maintenant, l'Occident à se retrouver. Donc, Véli Marcos n'est pas sincère avec la République. Aza sincérité. Aza sincérité. Et nous, la République démocratique du Congo, nous avons eu Emmanuel Macron. Nous avons eu Emmanuel Macron. Parce que France, à la base, il a interdit les armes au niveau de la Turquie pour transporter en RDC. C'était la France. Interdit parce que non. Non, respect comment? Non, respect comment? Notre pays est agressé. Nous sommes en guerre. Alors pour se défendre, il faut que nous soyons en France, que nous soyons en États-Unis, que nous soyons en Allemagne, que nous soyons en autorisation, que nous soyons en Minouki. Ça se passe comme ça. Dans le monde, dans le monde, et si déjà, nous avons une décision. Et puis, pourquoi une décision? C'est ce motif, il y a une décision. C'est ce que non. Parce que à l'époque, il y a Kabila, il y a une thèse de la communauté internationale à chaque fois qu'on le voit. Mais depuis Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, il y a une thèse que non, Minouk est ce moment qui honore le gouvernement congolais et s'est retrouvé dans le monde où il y a un rebelle. Et ça, c'est la raison d'être, il y a un pays qui Congo sur Minouk et il y a une sous terre. Et ça, les sous-titres, où il y a un peu de bloqué, pour l'intérêt de Bango. Mais l'histoire, c'est qu'on enseigne Bissot. États-Unis d'Amérique, grande puissance. Grande puissance. Mais au lieu de guerre au Vietnam, engagement des Congolais est commis. C'est pour ça que je profite à sensibiliser les Congolais. Il est grand temps, le peuple congolais, tout ça l'a sensibilisé. Tout ça l'a sensibilisé. Surtout, on a vu la Kinshasa. Et Seigneur, j'ai un tout élément. Et Seigneur, tout ça, la marche pacifique. C'est pour ça que nous avons interpellé, comment on appelle ça, le groupe religieux, la confession, voilà. La confession religieuse. Depuis que Mok est allé attaquer. Ma confession religieuse, c'est ça la nini. C'est ça la nini. Ok, quand on fait ça, l'éveil patriotique, quand on fait ça, jouer un grand rôle. Ce qui est le exemple, l'église des réveils, non surtout à Congo, et s'est mobilisée, parce qu'il date mon corps. Et que tout ça qu'on marchait. Tout ça qu'on marchait. Le 19 de samedi. Non, on a dit, association, on a dit, lobby. Église en général, même quand tu as une confession, église des réveils, et pessi mode de et pessi date, mon que non, toutes les églises des réveils en République du Congo, et ça, la marche pour soutenir FRDC,
bon à Kosenga. Mais président, ça va changer quoi à la marche, tout ça? Je vous dis, et vous avez un impact de mon corps positif. Parce que là, maintenant, c'est le peuple. Et ce sont des couches sociales, il y a mon corps et Télémi. Les peuples n'étaient pas l'ennemi. Peuple n'étaient pas l'ennemi. Ce qui est le que nos peuples étaient l'ennemi. Bah, jeunes, nous avons un monde en gourmand à un niveau de recrutement. Et bah, jeunes, bah, jeune, nous surtout bah, l'ennemi, tout pas question, il y a musique, pas question, il y a balle, pas question, il y a n'importe quelle activité, nous sommes en guerre. Je vous dis, mon frère, ça va beaucoup changer dans mon corps. Et qu'on ignore ce monde. Mais, président, tant que vous êtes la communauté internationale, toujours, et l'Union européenne, vous êtes en Boka. Puis, les solutions sont au Pessilo, au cas où la République du Congo a quatre relations, Nabaï, communauté internationale. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura une amélioration sur le plan sécuritaire à la République du Congo, mon Boka? Non! Dans le but que non, essayer de casser ta relation. Communauté internationale est allée vaste. Communauté internationale est allée vaste. Même Congo en face, ils allaient membre de la communauté internationale. Donc, communauté internationale, dans le but de casser ta relation. Ils allaient dans un pays, mon côté, dans le monde, dans le 21e siècle, ils allaient vivre, Yemoko. Tu as une relation. Mais tu as vous voulez alors. Tu as maintenant. Tu as au sein de la communauté internationale. Tu as au sein de la institution internationale. C'est que vous, vous parlez toujours de complot, de complot, de complot, de complot. Sincérité, sincérité. Parce que Bazali, sincère, il a sauté. Je parle à la communauté internationale parce qu'il y a des décideurs sur le plan international. Tu as eu un pays décidé. Hein? Oui. France, États-Unis, Bangonde. Ce n'est pas pour rien. Il y a 5 jours, 6 jours passés, une semaine pratiquement, conseil, réunion au conseil de sécurité du Kokota. Oyo, RDC est désisté de participer. Pourquoi tu décides de participer? Parce que bah, réunion au conseil de sécurité, quand tu prends une décision concernant l'Ukraine, pour sanctionner la Russie, concernant la Russie, à foutre un dommage, n'ayez à détruire l'Ukraine. Mais Mission République démocratique du Congo, Tomanago Koufa, ça fait plus ou moins 20 ans. Des décennies. Voilà. Mon colonel du Conseil de sécurité, si je suis content dans la réunion, pour que nous ayons un pays agressé, nous avons un pays agressé, dommage d'intérêt, nous avons bombé les Congolais, plus de 10 millions de Congolais ont Koufi. Beaucoup de pays africains ont participé. Beaucoup de pays africains ont participé dans dernière réunion au Conseil de sécurité. Bah bon, il faut partir, mais Ramon est allé bisoter. Parce que Bissot africain, tout le monde a retiré contre la bisoter dans ma commune sur toi. Nous avons nos problèmes et ma problème, c'est de persister. Tout le monde a soutien. Il y a le Conseil de sécurité. Mais quand il y a guerre, il y a risque de l'Ukraine, tout le monde a engagement. Oh, il y a. Occident Zanango, ou le Conseil de sécurité Zanango. Mais c'est comme si, sur le plan diplomatiquement, Kigali mène toujours la République démocratique du Congo. Parce que, comme vous avez dit, Kigali, sanction tes mains. La République démocratique du Congo, il y a un cœur sur la gamme. Sanction. Mais parce que Kigali. Kigali a créé haute diplomatie, madame Boka. Kigali, il représente les intérêts des Occidents. Il y a un mot qui est sanctionné par moi. Vérité à moi. Là. Kigali, Kagame a agressé Kabiso sous procuration. Il y a Occident. Sous procuration et Occident. Alors, le pays occidental, nous avons géré pratiquement le Conseil de sécurité. C'est pour cela, chef de l'État, dans le discours sous Kassala, qui a sengi na ba jeune. Tout ça, la structure, il y a autodéfense. Tout ça, la structure, il y a surveillance. Tout ça, il y a un prendre en charge. Il s'agit de me prendre en charge. C'est pour cela que mon conseil, en tant que ma démarche, il y a un minouki. Mais malheureusement, Banguna et Congo, le Congo habite même chose, c'est un complot international. Il y a bloqué Bissot. Pour tout ça, la face était contre-agressé dans Bissot. Tout ça, la face était. Ils ont signé la peuple à Téléma.
peuple a tel ma tout ce qu'on a payé mon amboka mozu tout c'est qu'on lance marche naïe mon colo allez lo bon bon mon idée à proposition mon mozu qu'on lance marche pour n'importe quoi quoi bah quoi sur des bails faire des mais exigence c'est des mingmi à couper un ambassadeur à Ouganda mon amboka la qui trip pour modèle moi je le soutiens au nom ya imité oyo mokonzi ya mboka asala ki appel je le soutiens mais ça doit mozit je le soutiens et marche naïe et le qui très bien bah déranger bah institution mboka té bah déranger bah paisible citoyenneté c'est ça c'est autre linga moi je le soutiens ça n'a pas soutenu des marches à 100% mais Ouganda Ouganda n'est pas là Ouganda et Rwanda ne vont pas agresser Bisso M23 besoin mon Rwanda ce sont des militaires rwandais et ougandais ne vont pas former M23 c'est ça mais je vous dis la vérité n'a pas dit la vérité M23 est allé Rwanda et Ouganda composition M23 est allé Rwanda et Ouganda et bien, intérêt à partager dans deux pays. Mais je vous dis la vérité. Et ça, on est en Ouganda. Monsieur de CNIP, expliquez ambassadeur à Ouganda. Bah, expliquez ambassadeur à Ouganda. Bah, expliquez. Bah, expliquez. Mais tu recommences à bien un niveau. Parce que le gouvernement congolais a comprendre que non, tu es bien ambassadeur rwandais, mais éducation ambassadeur Monko, oh, il y a des joué le même rôle que Vincent Karega avant que je joue dans mon Gamso. Et c'est que tout le monde a le territoire congolais. Avant Bima, il s'agit de ça, il y a un monde qui a consisté peuple et télé. Il a consisté dans ma confession religieuse. Moment, il y a un monde qui a accompagné Moka. Base de la carte, il s'agit de. Il y a désigné président Seni, notre monaga, ba commis à la ligne, ba commis dans ba média, nyon surtout, Dodo Kamba. Depuis ba désigné président ya Seni, dans mon ensemble Dodo Kamba. Moi, un cardinal Fidèle Ambongo. Depuis ma cambo ya Seni et l'État, dans mon ensemble, ba aux erreurs à l'élection 2023. Ba zawapi, ba confession religieuse. Ngongo, chef d'État sali appel na bana nyo sotu ya République démocratique du Congo. A sali appel. Bango baza wapi? Bango bazo zera ba question politique ne ba yeko koko tena ngo pour l'intérêt politique. Non, il est temps tout monde apporte ma confession religieuse. Merci beaucoup président Marseille. Donc d'aquipe mon amboka sorti médiatique mon amboka Martin Fayulu essaye que pèse un tekenaï à ce bagage. Analy prêt au côté mon amboka fait ce qu'il dit la condition et que parler toujours ma République parce que tu comprends intérêt sécuritaire à Bay Est et à République démocratique du Congo mon amboka. Bon bonjour comme on a langage mon amboka Martin Fayulu. Ben oui n'engemo kaka la répondre de la même façon de répondre dans Ndeko Adolphe Muzitu. Au nom de l'unité, chef d'État, c'est là qui appelle ma fils, fille et fils du Congo. Tous se réunis, tous sont ensemble, tous ont une divergence à côté, tous sont pour défendre Mboka Nabiso. J'insiste, j'ai suivi Martin Fayou à travers le président Sensa, Ndegolé Rancol. Ndeko Martin Fayulu a lobbyé animé au coup tenant Mokoza Mboka pour pas solo là essentiellement que sur Makambo ya Est. Pas solo là essentiellement que Makambo Est. Alors moi j'insiste pas solo là que Makambo ya Est. Et ça c'est tout que nous on a agenda caché. Il va partager le pouvoir agenda caché aux hommes qui seront bons c'est toujours Il y a un dialogue. Donc toujours dans le noir. Alors, toti comme institution étant boulaka, le lengue constitution beaucoup mon beko likozi lengue et bongisa makamu.
chaque 5 ans élection et mutonyo surtout à l'ingi à comment la magistrature suprême constitution et la qui c'est zéla bosal va parti politique à makasi bon mobiliser tout qu'une élection bonsoir majorité à ce moment pour rédiger mboka selon vision nabino c'est ça ndenge lo lenge to lingi mboka na biso etambola ti ba koko oye ya biso ba koya. Est-ce qu'il y aura des élections en 2023, président? Oui, élections comme ça là. Élections dans les belles villes. Nous nous rassurons qu'il y aura des élections. Mais Seigneur, tu es en train de travailler. Bah, quitte électoral. Seigneur, c'est ça qui va chaner en haut. Calendrier bientôt. Seigneur, tu es en train. Pourquoi tu es agité? Organe technique. Organe technique, Seigneur. Président Seigneur. Azo qu'on rassure à chaque fois que non, il y aura élection en 2023. Mon conseiller Moka, garant de l'institution, a rassuré plusieurs fois, il y aura élection en 2023. Alors, pourquoi tout ça te discuter? Pourquoi te discuter? Bato, oh, Bazali, c'est censé remercier ma pronami. Bazali, c'est censé ma pronami Zali. Et ça, on est monté en 2018. Parce qu'en 2018, Négocabia, tout le monde a été tenté pour échapper 2016. À tout le monde a été tenté. Il a été débauché dans l'opposition. Il a été un dialogue. Tout le monde a été fait. C'est ce qui est dans le salaire. Il a été renforcé toujours ma position. Que 2023 élections Zali. Donc, élections Zali. 2023, l'élection d'ailleurs, le bimon en boca, président Marseille, tout le monde a vu comment ça a été sorti de la tique en boca, le sanga bonganga, a su lancer un message naïe, n'a pas eu un boca, quel est-ce que vous allez, bien sûr, mais il a commenté à empêcher Joseph Kabila de la candidature en 2023. Qu'est-ce que cela veut dire, hein? Alors, ça va y un boca, ni mon en boca. Oui, au moins, le bande de Moussousso, ça sert à rien à Koulubi la Gabango. Ces messieurs-là, tu as eu comme le sanga bonganga, Azali modélité. Aza modélité. La histoire politique ya Congo, ils ont un moto mon côté à quoi que ce soit, ils sont un peu comme modèle naïe. Donc, ce sont des autorités qui ont été même à terme, écoute, ou échappé. Le bazar, batou oyo, la classe politique, la biso, ma côté la politique, ils sont par erreur. Erreur, il y a histoire, n'est-ce pas que nous, ils sont retrouvés comme politiciens. Donc, Aza Moutoumou, Aza attend la valeur de mon côté pour respecter. Concernant Badir Inaye, la constitution est en bonne chose, elle est claire. Et donc, c'est un atteint de la constitutionnaliste pour expliquer ce qu'il y a dans la constitution. Hein? Et donc, c'est un atteint. Aza qui est parlementaire. Aza qui est parlementaire. Et c'est un atteint de la mboka. Débat où il y a Ndeko Kabila, et c'est ça, il y a eu plusieurs fois. Et ça, c'est Azali, sénateur à vie. Il y a eu un peu de temps en 2023, Ndeko Kabila. Pardon. Il y a eu un peu de temps en 2023, Ndeko Kabila, a eu un candidat et Seigne a rejeté en haut. Il y a eu un peu de temps dans le niveau constitutionnel. Seigne a rejeté en haut. Parce que Azali a une conscience autorisée. Il y a eu un peu de temps. Azali sans débat. Négolissant Bonganga, Aza déjà, Nengazawana, Aza n'a perte de vitesse, c'est mon impossible. Zalesi et Kangie n'a dit. Ou alors, politicien n'a dit. Zalesi et Kangie, Aza a eu un moyen, Néo Kabila, à subventionner. Néo Kabila, tu es mon mabo. Yanga nous moni, à lobby, au Abigeno, à lobby le mot pour que Néo Kabila s'épile la peau, mouvance. Kabiliste et CP là. Mais disons en gros, bosoloté mon ami. Mais ça bosoloté, Azan a besoin de Kabilé moi le meilleur. C'est pour ça que c'est le baiser, on a l'oubli. Et ça, on est parti, mon côté. Merci beaucoup, on a besoin de partir, mon côté. Donc, moi, ce qui me semble, mais je suis connu que l'on s'est battu le partenaire mon entier. Message, c'est toujours à unité. Message, oh mon cousin, beaucoup à Pessi, unité à ma Congolais. Et c'est une élite au Sangana pour te défendre intégrité territoriale. Mboka na biso ezali agressé, mboka na biso ezali sous complot international, ezo sengela biso ba congolais. Oyo ko se sentir ezali congolais à 100%, oyo se sentir que non mboka ezali Congo, ezo ezali bana ya mboka, ezo ezali na kati ya mboka, esengeli tozala uni au tout autour ya chef de l'État,
autour de tout, il y a ma force armée dans Bissau pour la défendre l'intégrité territoriale. Numéro de téléphone, ils ont toujours plus 243 89 88 54 533. Plus 243 89 88 54 533. Merci beaucoup, Mboka Mansa. Tu es un bon ami, Mboka. Merci beaucoup, Neko journaliste. Et Ngane na kore, monsieur. Merci. Thank you.